Bienvenue à tous, ici Hervé Matou, en compagnie bien sûr de Pierre Ménès, pour vous faire vivre cette Ligue Week-end Fut Champion. Ah, une belle compète avec de très bonnes équipes engagées ce week-end. On devrait assister à du bon foot aujourd'hui. Le match qui débute à l'instant. Voici donc la composition d'équipe. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. On découvre ensemble la composition de l'équipe. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Andrew Robertson. Le ballon qui est finalement perdu. Duel très intéressant dans ce match. Un Neymar que l'on va retrouver face à De Bruyne. Oui, Neymar est un joueur avant tout rapide et qui cherche souvent à s'appuyer sur cette qualité pour provoquer et remporter des duels. De son côté, De Bruyne est un joueur capable de débloquer une situation sur une passe, sur une remise. Bon, avec lui, tout est possible et puis à tout moment en plus. Felipe Anderson. Fabinho. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Bernardo Silva. De Bruyne. Oh, il pouvait mettre son équipe devant très tôt dans ce match. Et il a raté l'occasion. Il a été maladroit à la limite. Je me demande s'il est déjà entré dans la partie. À mon avis, cette occasion va le réveiller. Enfin, j'espère. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, la frappe, c'est contré. De Bruyne, Fabinho, oh, il peut centrer. Andrew Robertson, De Bruyne. Occasion de prendre l'avantage. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir cet arrêt, franchement c'est bien joué. D'accord, on a bien tiré au niveau du point de pénalty. Bernardo Silva. Andrew Robertson. Fabinho. Felipe Anderson. Attention à la frappe. Et l'arrêt du gardien. Corner à suivre. Attention à ce corner après une belle séquence de domination. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Va-t-il parvenir à centrer ? Andrew Robertson. Et corner, il va y avoir danger dans la surface peut-être. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Et j'ai parlé un petit peu vite sur ce dégagement. Andrew Robertson. Ce ballon de Pogba qui ne trouve qu'un joueur adverse sur son chemin. Ouais, très bonne passe là, de De Bruyne dans l'espace. Ils sont passés tout près de prendre l'avantage. Ils l'auraient fait s'ils avaient marqué ce but, dommage. Neymar. Emeric Laporte. Bernardo Silva. Fabinho. De Bruyne. Felipe Anderson. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, le ballon est récupéré, force de harceler l'adversaire. Felipe Anderson. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Kevin De Bruyne. La casette. Allez, l'occasion de passer devant. Ce sera donc un corner.
Corner, le ballon en pleine surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. La porte. Aurier. Il retrouve Johan Cruyff, bien sûr. Il est là, Johan Cruyff, lui qui, dès le plus jeune âge, avait aligné des statistiques absolument hallucinantes, avec une moyenne supérieure à un but par match, deux saisons de suite avec l'Ajax. Oui, notamment avec un premier doublé Coupe Championnat pour Cruyff en 1967. David Villa, corner à suivre. Et le tireur qui a vite un deck. Oh, poteau! Oulala! Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, et ça sort en touche. Neymar. Paul Pogba. Neymar. C'est un privilège hein, de voir jouer Neymar quand même. Lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifles, mais moi je paye mon billet pour le voir jouer. Attention, ça peut être dangereux. Neymar. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. Bernardo Silva. De Bruyne. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. De Bruyne, il tacle, avec Johan Cruyff, Rijkaard. Frank Rijkaard, très grand joueur néerlandais de la fin des années 80. Trio magique du Milan. Oui, avec Gullit et Van Basten, il a réalisé un euro. David Villa, oh le but, le but! On a été un petit peu surpris là par ce but, Pierre. On a été surpris parce que c'est une équipe qui n'a pas montré grand-chose, qui ouvre le score dans ce match. Bon, c'est pas trop la joie pour eux hein, dans ce match pour l'instant, mais cette action était bien menée, ça va mieux on dirait. Ouais, ça va un peu mieux, ça fait du bien c'est sûr, mais enfin sur l'ensemble du match, c'est pas encore ça. Hein. Va falloir donner plus. Et voilà, déjà 45 minutes de... Et la reprise de cette rencontre hein, qui compte pour la Ligue Weekend Fut Champion. Ouais, c'est reparti. Fabinho. Bernardo Silva. Sterling. Allez, la voie est libre pour Sterling. Allez, corner. L'occasion d'égaliser peut-être. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah, il doit s'y mettre à plusieurs, mais ça ne suffit pas. Il lève la tête, il va centrer. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Sterling. Allez, ils peuvent égaliser là. Et la casette va devoir s'arrêter. Il est signalé hors jeu. Le gardien sans scrupule, loin devant. Paul Pogba. Il retrouve Johan Cruyff, bien sûr. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période.
Paul Pogba. Allez, occasion, occasion pour Neymar. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon, magnifique. Allez, la mise en place de la défense avant ce corner. Ouais, la belle précision de Neymar sur ce corner. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Bien centré de la part de Neymar. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Kai Walker. Frank Rijkaard est le premier sur ce ballon. Pogba. Oh, le geste technique. C'est magnifique. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. On a atteint l'heure de jeu. Allez, peut-être l'amorce d'une... La Lacazette qui va peut-être créer le décalage avec cette belle passe. Ouais, l'entraîneur pas très content. Et il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Henrik Laporte, excellente récupération. Alexandre Lacazette. Il la joue un petit peu comme Hollande, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Fabinho. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Neymar. Paul Pogba. Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Johan Cruyff, Rijkaard. Ce sera un 6 mètres. Ah, 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, sur l'aile pour Lacazette. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. La balle pour égaliser. Oh, l'égalisation. L'égalisation, Pierre. Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Paul Pogba. Van Dijk. Davinson Sanchez, Kyle Walker, ouais, Neymar qui est trouvé sur l'aile. Frank Rijkaard est le premier sur ce ballon. Paul Pogba, oh le poteau. Fabinho. Pour l'instant le score en reste là, mais le cadre ne pourra pas repousser toutes leurs tentatives non plus. Sterling, il va pouvoir adresser un centre. Attention à la frappe. Et corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. Et ce sera un corner à venir. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. En retrait pour un coéquipier. Oh, il marque! Oh, il marque! Oh, il marque le but qui délivre son équipe. Qui délivre cette équipe qui aura fourni de nombreux efforts dans ce match. C'est normal. Ah, ça, on peut dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est clair qu'elle aurait aimé marquer ce but un peu plus tôt. Ça a été long à venir et encore, c'est même pas terminé. Donc attention. Fernandinho, Kanté.
Neymar. Les supporters qu'ils savent, si leur équipe doit égaliser, c'est maintenant. Oh, la mauvaise passe, il n'a pas regardé où il la mettait. Il lui donne en profondeur. Kanté. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Neymar. Neymar. Oh, le but! Oh, c'est pas possible! Alors qu'on n'y croyait plus du tout! Le but qui remet les deux équipes à égalité! Ah, alors là, bon, bien sûr, le but est valable, mais on est quand même à la limite du hold-up. Hein. S'ils s'en sortent aujourd'hui, ils pourront aller faire brûler un cierge tout de suite après le décrassage. Kevin De Bruyne. Pas le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. De Gea. Irving Lozano. Fernandinho. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Allez, c'est libre sur le côté pour Kevin De Bruyne. Le tir. Attention, car ce corner pourrait bien donner le but de la victoire à cette équipe. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Alors que l'arbitre siffle la fin. Il va falloir du jus, hein, de la force mentale pour disputer cette prolongation. C'est vrai que le physique va avoir un rôle de plus en plus important au fil des minutes. André Robertson, Fernandinho. Ouais, la bonne transversale. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Neymar. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Puis qu'ils ne s'y trompent pas, ce serait bien de marquer maintenant. Le contre qui se rapproche du but adverse. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Ah, c'est superbe surtout parce que c'est tel. Le gardien qui écarte le danger des points. Bernardo Silva. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Bernardo Silva, ils avaient vraiment l'occasion de prendre l'avantage au score. Irving Lozano, Fernandinho, N'Golo Kanté, Neymar, il remporte son duel. Ballon pour Yann Cruyff. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Le ballon est sorti. Ce sera un corner, donc. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah, bien fait de la part du gardien sur ce ballon dans la surface. Serge Aurier. Andro Robertson. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, ça c'est bien joué. Oh, il l'a mis en courant là. Hakim Ziyech, le gardien, c'est pas fini. Ah, c'est contré. Ouais, bien joué, c'est pas terminé, attention. Non, le drapeau s'est levé, ça va être un hors-jeu.
L'équipe qui s'en sort bien avec cet arrêt, du coup tout reste à faire. Voilà, c'est terminé pour cette... Coup d'envoi de cette seconde période de prolongation. Elle va être dure pour tous les joueurs et pour les supporters également d'ailleurs. Ah ouais, rien n'est fait et ça devient stressant ce match parce qu'il ne reste plus que 15 minutes et il va falloir se donner à fond et ce malgré la fatigue. Andrew Robertson, Irving Lozano et on retrouve Johan Cruyff bien sûr. N'Golo Kanté avec Johan Cruyff. Ouais, il l'a déposé. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ah, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Pas mal du tout, ce but. Hein. Une frappe puissante. Il file direct dans la lucarne gauche. Ça fait donc 3 buts à 2. Un petit but d'écart. Bernardo Silva. Ziyech. Oh, il peut centrer. Fabinho. La frappe. C'est contré par le défenseur, dommage. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. 7 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Ballon un petit peu lobé là pour Neymar. Ouais, superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. 6 minutes à jouer encore dans cette deuxième période de prolongation. Bernardo Silva. Ah oui, l'interception, il a tout anticipé. David Villa. La touche à proximité de la surface. Johan Cruyff. Kyle Walker. Il retrouve Johan Cruyff bien sûr. Bon, le très beau geste défensif. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. En profondeur, oui, bien vu. Il a vu l'appel de balle. Ballon pour Johan Cruyff. C'est la toute dernière attaque, je pense. Non, elle était... Et voilà, c'est fini. Ils ont beaucoup couru après le ballon. Mais finalement, ils se sont imposés. Yeah.